Ou sous chaîne 54, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Mes journal créole Télé-Pacifique, mes sites Cap Domine Actualité 1. Premier ministre Ariel Henry rencontré secrétaire d'État adjointe Lan Anne Witowski-Madzi sous crise PIA. Une fois encore, chef gouvernement promet la mettre sécurité dans le pays, la dialoguer avec tout secteur dans l'idée pour y rejoindre un consensus sous organisation prochaine élection. Barreau Port-au-Prince mette campé yon commission femme avocat cap gen pou travail pour faciliter intégration femme dans société a non cadre commémoration journée internationale droit femme yo. Organisation Cri Femme Haïti Cri Femme mette yon bout madi dans concours national interscolaire l'été lancé sous droit moun en général droit femme en particulier dans occasion journée internationale droit femme yo. Autorité pays l'Ukraine acquise pays la Russie cap continue à bombarder yo sak empêche civil yo courir quitter pays a. Sous Bhopal, gouvernement américain pas d'accord ak proposition pays la Pologne qui dit pap bay l'armée américain yon série avion MiG-29 non l'idée pour remettre yo bay pays l'Ukraine d'après porte-parole Pentagone lan. Mesdames messieurs, rete ak nou tout. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, messieurs, nous tous les jeunes d'Abdou Rantitio, Premier ministre Ariel Henry rencontré secrétaire d'État adjointe Lan pour opération conflit et stabilisation Anne Witowski-Madzi sous crise PIA. Une fois encore, chef gouvernement promet la mettre sécurité dans PIA, la dialoguer avec tout secteur non l'idée pour y rejoindre un consensus sous organisation prochaine élection yo, d'après un tweet primati publié après rencontre Lan. Diplomate là, te gen pour le rencontrer tout avec l'autre acteur politique yo, tant qu'ou promoter accord Montana yo et puis représente organisation femmes dans pays a Anne Witowski te doué participer dans commémoration 8 mars là particulièrement avec personnel Nations Unies en Haïti. Barreau Port-au-Prince pété campé yon commission femme avocat cap gen pou travail pour faciliter intégration femme dans société a non cadre commémoration journée internationale droit femme yo na occasion en bâtonnier Port-au-Prince non maître Marie Suzy Legros salier Jeffo qui fête pour y faire droit femme yo respecté en dans pays a mérité en pile travail qui pou fête toujours d'après avocat. En écouter Marie Suzy Legros dans micro Esdra jeudi ak Estravinsky Desrameaux. L'égalité que finalement on nous a reconnue n'est pas un cadeau. Maintenant, quelle est la perspective féministe haïtienne? Le 8 mars 2021, une table ronde de deux panels, titrée « Approche multidimensionnelle et la lutte pour les droits de la femme », regards croisés, nous a permis au barreau de Port-au-Prince de mettre à vif les problèmes que confrontent les femmes avocats au sein de cette corporation qui se veut exclusivement masculine, de la violence verbale à la violence physique, en passant par le harcèlement, elles ont vécu. Elles ont beaucoup vu et beaucoup entendu. Mais comme dit le proverbe, j'y suis, j'y reste. Ce n'est pas connaître ta femme. Le bilan de cette première journée réalisée par le barreau de Port-au-Prince est dans le but de mettre fin à ces dérives importées. Le Conseil a décidé de la création de la commission femmes avocates, de la commission femmes avocates, avec entre autres pour mission de promouvoir l'égalité entre avocates et avocats, combattre les disparités et les inégalités, lutter contre toute forme de violence et de discrimination à l'endroit des avocates, relever les obstacles à l'exercice de la profession d'avocat pour les femmes, les combattre, travailler à la mise en œuvre effective des instruments internationaux qui sont favorables à Haïti. Sous Bhopal, président commission Guimard Anglade promet libre le travail pour remplir mission comme ça doit. Madame Anglade promet diverses activités pour femmes avocats, tant qu'au séminaire sous leadership, yon façon pour faciliter l'intégration. En écoutez, maître Gemma Anglade, toujours dans le micro, Esdra jeudi, avec Estravinsky Desrameaux. Renforcement de ce leadership qui se veut féminin, la CFA va prendre certaines initiatives en vue d'aider les avocates à exploiter leur potentiel de manière optimale, tout en s'assurant de la solidarité agissante de nos confrères ici présents. La CFA travaillera sur des projets concrets tels que organiser des séminaires sur le leadership
et des programmes sur le taux leadership, réaliser des formations sur le renforcement des compétences dans plusieurs domaines du droit, à travers des bourses d'études et des séminaires, favoriser des espaces de réflexion tels que les conférences débats sur le leadership, monter des programmes de cours sur le coaching, le mentorat, le développement de l'art oratoire et ses corollaires, concevoir des outils de formation, enrichir nos bibliothèques de documents, de livres portant sur le leadership. En effet, plus les avocats atteindront un niveau élevé de formation, plus elles acquerront de la confiance en elles-mêmes, essentielle au développement du leadership. Organisation CRIFORM Haïti CRIFA organisé mardi final concours national interscolaire l'été lancé sous droit moun en général, droit femme en particulier dans occasion journée internationale droit femme yo. Objectif concours si là c'est aider participants yo développer capacité réflexion yo et puis impliquer yo plus dans question droit moun dans pays a. Méthodiste de frères lycée Benoît Batraville ak institution mixte privée de Thomasin c'est parmi l'école qui t'est fait yo représenter dans concours. Coordonnatrice générale CRIFA, Gerline Résidor, bat bravo pour performance élevée. En écoutant le micro Vladimir Prédville et Estravinsky Deramo. Donc, nous avons un objectif qui c'est défendre et promouvoir les droits des femmes et des filles en Haïti. Donc, depuis 2016, donc, nous lançons dans des activités avec les jeunes, nous lançons dans des activités de réinsertion au niveau de la prison civile des femmes de Cabaret et ensuite dans la formation des jeunes et la participation politique des femmes, tout ça. Et nous avons choisi. En fait, nous sommes en deuxième année édition concours là. Donc, concours ça, nous avons choisi de mettre sous pied. C'est dans l'objectif pour nous capables et impliquer Timounio et beaucoup plus dans la question des droits humains en général et droits des femmes en particulier, afin que pour eux-mêmes soient capables d'assurer ce qu'on appelle la relève générationnelle. Donc l'année dernière c'était notre première édition et cette année c'est notre deuxième édition. Donc nous avons choisi approprié deuxième édition comme nous toujours fait avec le thème ONU Femmes qui c'est l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc nous-mêmes nous avons choisi dire l'égalité des sexes pour un avenir durable. Donc c'est pour nous c'est une activité qui est vraiment intéressante côté que qui met des challenges entre nous permettent yo non seulement yo réfléchir beaucoup plus sur situation sur réalité et monde en général en Haïti en particulier et concours ça les susciter timoun yo aller faire plus de recherches yo-même pour demain parce que je dis comme nous toujours qu'on dit et jeunes d'aujourd'hui adultes de demain. Yon autre bo, Madame Résinor déclaré jeune sa yo ap gen pou bénéficié yon mois et stage nan association Avocats sans frontières et puis CRIFA ap mette yon club campé pou yo capable continuer mener débat et puis poser action pour intégration femme ak respect droit yo nan société a. En fait, nous-mêmes, nous lançons tout dans la question violence, parce que c'est domaine nous, donc c'est ça. Et question concours, c'est comme si c'est nous entrer dans la question, dans le volet éducation. Non. Mais nous-mêmes, nous gagnons, nous bâillons des assistances judiciaires, nous bâillons assistances juridiques dans le bureau, nous faisons d'autres activités. Et nous Jean nous te disant nous gain des activités ensemble avec les ex-détenus, c'est dire des activités de réinsertion des détenus. Donc et perspective nous c'est après concours ça gagnant ça même Jean l'année dernière il était bénéficié stage de avocat sans frontières Canada. Donc nous pral essayer tout permettre de bénéficier de ce stage-là encore et ensuite en collaboration avec ceci Haïti pour nous qui d'autres activités que nous avons fait ensemble avec eux pour nous permettre de nous impliquer plus. Parce que je nous dis un jeune d'aujourd'hui adulte de demain, si nous avons besoin de retirer le pays dans la situation liée là, c'est un travail de base. Et c'est ces jeunes pour nous sensibiliser parce qu'ils ont beaucoup plus que nous-mêmes. Donc nous pour nous aller, c'est eux-mêmes qui apprêtent. Donc l'essentiel, c'est l'objectif de année, ça, c'est encadrer les jeunes pour impliquer plus dans la vie sociale, pays, la vie sociale, politique, tout ça.
Et puis l'autre bord de l'eau, madame, messieurs, pays, Union européenne, UE, mettez-vous d'accord mercredi pour y'a prendre l'autre sanction contre pays la Russie après invasion pays l'Ukraine. Là. C'est oligarchie visée et puis secteur maritime là, à trois banques qui n'ont Biélorussie. Autorité pays l'Ukraine, accusé pays la Russie qui a continué à bombardement, yo, ça a empêché civils de courir quitter pays. Là. D'après yo, pas un couloir humanitaire vrai pour citoyens qui n'ont six villes quitter l'Ukraine, alors que Vladimir Poutine te promet l'État. Fayon campé nan tiré Koudzamio. Gen municipalité Mariupol, yon ville qui nan sud-est l'Ukraine, la mais pays la Russie assiégé, qui acquise la Russie, détruit yon hôpital Poutimoun. Pendant temps ça, Agence internationale énergie atomique, AIEA, fait connaît site nucléaire Tchernobyl là, qui pas alimenté à courant, pas gen gros conséquences sous affaire sécurité, nan sens ça, d'après assurance autorité pays l'Ukraine yon bail. Sous même dossier si là, Premier ministre canadien Justin Trudeau annonçait qu'il pourrait envoyer plus matériel militaire by Kiev, capitale pays l'Ukraine, alors que ministre défense pays l'Angleterre. Ben Wallace fait qu'on est là pour continuer à envoyer missiles anti-chat by soldats pays l'Ukraine, dans le cas de guerre avec la Russie. Sous Bopal, gouvernement américain pas d'accord avec proposition pays la Pologne, là, qui dit le pape by l'ami américain yon série avion MiG-29 dans l'idée pour émettre yon bail pays l'Ukraine, d'après porte-parole Pentagon. Là. Madame, messieurs, je vous donne la boute, mais vite au côté branché Télépacifique pour cette programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.